Madame, messieurs, bienvenue à Une heure d'ici. Cette semaine, on commence par parler des activités de vélo du côté du Mont-Sainte-Anne. Météo parfaite tout au long de la fin de semaine de la fête du travail. Niveau de compétition des plus élevés, foule imposante pour encourager les équipes présentes. Tout y était pour rendre les championnats du monde de vélo de montagne un événement inoubliable au Mont-Sainte-Anne. Bilan de l'activité en compagnie de la vice-présidente de Gestev, Chantal Lachance. Ah, écoutez, je pense que le mot « mythique » est sorti plusieurs fois. Là, ça a été un rêve sur toute la ligne. On a dépassé nos objectifs en participation, en achalandage, certainement en retombées. On va avoir les retombées là, médiatiques, économiques sous peu. Mais vraiment, je suis encore un petit peu, en fait, moi et toute notre organisation, là, on est encore, je pense, tous sur un petit nuage. Il y avait combien de concurrents qui étaient ici? Bien, en fait, déjà, si on se rappelle hein, que cet événement-là, cette année, c'était en trois temps. Donc, il y a eu les championnats du monde des maîtres, qui sont un peu les retraités du sport, si on veut, mais qui ont toujours, toujours les bonnes pattes pour performer. On a les compétitions amateurs et on a les championnats du monde élite. Déjà, au niveau des championnats du monde des maîtres, on a battu un record. On s'attendait d'avoir 300 athlètes, 15 pays. Et on a eu 600 athlètes provenant de 35 pays. Alors déjà là, super participation. Au niveau du raid, la Vélomag, encore la même chose. On s'attendait à 550, on a eu 680. La course des enfants, on avait préparé pour 400 enfants parce que vous savez qu'on donne des médailles à chaque enfant. Donc les médailles, les petits cadeaux et tout ça, on avait préparé pour 400. En se disant, on n'aura jamais 400 enfants. On a été obligé de refuser des enfants. Puis au niveau de l'élite, bien, c'est près de 700 participants qui provenaient de 45 pays. Alors, au total, là, c'est 56 nations qui se sont déplacées ici sur la côte de Beaupré. Il y avait un nouveau volet électrique. Ah, bien sûr, j'ai oublié celui-là qui n'était pas sans importance là, parce qu'on a mis le clou sur le premier championnat du monde de vélo électrique de l'histoire. Alors là, il y avait près d'une centaine de participants et vraiment, c'était très drôle parce qu'étant donné que c'était les premiers, il y avait de tous les styles, là, en fait, des âges, de très grandes brochettes d'âge, puis également de la provenance des athlètes. Il y avait des athlètes qui venaient de cross-country, de descente, de motocross ou des athlètes qui font des épreuves d'endurance normalement. Alors, c'était très particulier à regarder comme compétition. Puis, je pense qu'on peut dire mission accomplie. Là. Les athlètes ont adoré le parcours. Et puis là, ils commencent à se dessiner là, les règlements, puis comment est-ce que ce sport-là va se développer, parce que c'est clair que le vélo électrique, c'est là pour rester, puis ça va prendre énormément d'ampleur. Êtes-vous en mesure d'évaluer combien de gens sont passés durant ces jours ici au niveau des championnats du monde de vélo de montagne? Écoutez, c'est probablement la question à laquelle je déteste le plus répondre parce que c'est impossible à dire avec certitude. Comme vous savez, le Mont-Saint-Anne, il y a pratiquement 2 kilomètres de façade. Donc, on peut pas, c'est pas une guérite là, où on peut calculer. Par contre, on sait qu'en Coupe du monde, donc une de nos plus grosses Coupes du monde pour laquelle on fait des études de retombées, on avait eu 48 000 personnes en 5 jours. Là, notre événement, il est sur 11 jours et clairement, le dernier week-end qu'on a vécu là, avec l'élite, c'était à l'œil, là, au doigté, on pouvait savoir qu'il y avait facilement 2 fois plus de monde qu'en Coupe du monde. Donc, écoutez, j'ai bien hâte de voir là, notre étude, c'est ce qui nous dira exactement. On pourra se reparler à ce moment-là si vous en avez envie. Là, on aura les retombées économiques aussi à ce moment-là et les retombées probablement médiatiques. Mais c'est certainement, il y avait certainement 50 000 personnes là, pendant le week-end de l'élite. Et puis, si on calcule tous les autres jours, ça devrait certainement avoisiner là, le 65, 70 et peut-être même plus. Alors, on s'en reparlera, là, mais chose certaine, il y avait du monde. Un événement de cette ampleur, qu'est-ce que ça représente pour la côte de Beaupré? Ah, mon Dieu, ça représente tellement beaucoup. Premièrement, je pense que ça fait juste consacrer, en fait, Mont-Saint-Anne une fois de plus comme la place au monde pour faire et accueillir des événements de vélo de montagne. La pratique est incroyable ici. Même l'Union cycliste internationale qui était présente voyait le club des jeunes, là, avec les 450-500 jeunes qui sont inscrits dans les clubs et ils n'en revenaient pas de voir toutes ces familles qui font du vélo de montagne. Bref, ils l'ont remarqué. Et puis, bien, vous savez, je le dis souvent, là, mais le Mont-Saint-Anne, là, c'est vraiment au vélo de montagne ce que la Formule 1, par exemple, Monaco peut être à la Formule 1. Donc, c'est un incontournable. C'est l'événement que tous les athlètes de Coupe du monde veulent gagner. Quand tu as gagné Mont-Saint-Anne, là, tu peux aller dormir. Là, tu sais, je veux dire, c'est vraiment quelque chose. Donc, consécration totale pour Mont-Saint-Anne. Puis, évidemment, bien, écoutez, on peut parler de retombées médiatiques.
Je n'ai pas... Comme vous savez, cette année aussi, c'était le 30e hein, championnat du monde de l'histoire. Et Mont-Saint-Anne a accueilli 29 ans d'affilée des étapes, soit de Coupe du monde ou championnat du monde, parce que c'était notre 3e. La raison pour laquelle on n'en a pas eu 30, c'est que la première année, c'était uniquement un championnat du monde dans l'histoire du vélo de montagne et il était aux États-Unis à Durango. Mais dès l'année qui suit, ont commencé les Coupes du monde et c'est là que Mont-Saint-Anne s'est inscrit année après année. Donc, cette année, toute la semaine passée, je n'ai pas arrêté de lire dans les médias sociaux, les médias réguliers aussi, là, des hommages aux 30 ans de championnat du monde et les 29 ans de Mont-Saint-Anne. Alors, écoutez, il y en avait dans toutes les langues, il y en a plein que je n'ai même pas été capable de lire, mais des textes là, de 1 kilomètre de long, j'aime exagérer, mais qui relate toute l'histoire du Mont-Saint-Anne. Alors, les retombées médiatiques, c'est incroyable. Là, les reportages qu'on aura dans tous les pays du monde, ça aussi, on pourra partager ça. Les retombées économiques, on parle de 12 millions de retombées économiques pour la région. Alors, 12 millions comparé, par exemple, à 4 millions peut-être pour une Coupe du monde. Alors, énormément de retombées additionnelles. Écoutez, un de nos plus grands défis a été de trouver de l'hébergement pendant l'événement. Les derniers jours, là, c'était pratiquement impossible. On a même demandé à la population, ceux qui avaient des chambres à louer, des chalets à louer, des condos. C'est un beau problème. J'ai pas encore parlé à nos amis du IGA, mais je suis certaine qu'ils se sont fait dévaliser. Les restaurants aussi, c'était bondé de monde. Alors, écoutez, je pense que pour une région comme Mont-Saint-Anne, là, un événement comme ça, on aimerait ça en avoir quelques-uns dans l'année. Chantal Lachance et Nigestève ne peuvent pas s'occuper de ça tout seul pour l'organisation. Combien de gens, des partenaires, des bénévoles ont contribué? Ah, écoutez, moi, je leur lève mon chapeau. Là. Il y a vraiment deux groupes de personnes, je pense, qui méritent une grosse levée. D'abord, évidemment, les bénévoles, les premiers sur le front. On avait besoin de 1400 bénévoles pour faire cet événement-là. C'était 2200 quarts de travail qu'il fallait combler. Ça a été difficile. Normalement, en Coupe du monde, on a besoin de 500 à 600 bénévoles. Mais là, 1400, là, je vais vous dire, on a assez facilement trouvé 1200 bénévoles, mais le dernier 200 n'a pas été facile. Donc, je remercie vraiment tout le monde qui se sont impliqués là parce que, écoutez, je ne sais pas à quel point les gens sont conscients, mais le jeudi et le vendredi de l'élite, ça a été les deux plus gros jours où on a eu de la difficulté à trouver les gens. Probablement parce que c'était le retour en classe, c'était le long week-end. Bref, on a mis les doigts sur plusieurs facteurs, mais somme toute, ça demeurait un fait. Là. On a eu de la misère à trouver les gens. Et on n'aurait pas pu partir les compétitions ces journées-là si on n'avait pas trouvé les gens. Alors, vous rendez-vous compte à quel point les bénévoles sont importants? T'sais, s'ils n'avaient pas été là, la compétition ne partait pas jeudi et vendredi. Alors, c'est là qu'on a travaillé vraiment tout le monde. Là, puis vraiment, il y a des bénévoles qui ont trouvé d'autres bénévoles. Nous, de notre organisation, on en a trouvé d'autres aussi. Puis finalement, bien, mission accomplie. On a réussi. Et puis, écoutez, à la fin, les gens de l'Union cycliste internationale nous disaient qu'ils rêveraient d'avoir une qualité de bénévoles comme on a eu ici pendant ces championnats du monde-là, tellement les gens étaient passionnés, impliqués, dévoués, prêts à faire le petit plus pour justement aider à la réalisation de l'événement. Puis je lève aussi mon chapeau à notre équipe qui a géré ces 1400 personnes-là. Quand même, c'est pas rien. Hein? Les matins, là, je voyais ça arriver à coup de 200 personnes, 300 personnes. Il faut les transporter dans la montagne, il faut leur donner quelque chose à manger les jours de pluie, il faut leur donner les imperméables, s'assurer qu'ils n'ont pas froid. Je veux dire, c'est énormément d'encadrement, mais je remercie aussi la compréhension là, des bénévoles, là, si jamais il est arrivé des petits trucs au passage. Mais vraiment, croyez qu'on a fait tout ce qu'on pouvait là, pour rendre le séjour de nos bénévoles le mieux qu'il pouvait être. Puis ce bénévolat, il se traduisait par des retombées aussi au sein d'organismes. Bien, en fait, effectivement, on a un programme chez Gestev qu'on a développé depuis très longtemps. Si quelqu'un vient avec un groupe de plus de 10 personnes, on demande au responsable du groupe. À ce moment-là, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un groupe de 10. Cette personne-là peut, si elle le désire, nous demander une compensation financière qui varie entre 25 et 40 $ par jour, là, dépendamment de la durée, en heures par jour. Et le responsable du groupe peut remettre cette somme-là à un organisme de son choix. Donc, dans un événement comme ici, là, on aura certainement remis entre 40 et 50 000 $ à des organismes de charité. Moi, je sais que personnellement, là, j'ai travaillé pour monter un groupe de bénévoles le jeudi et le vendredi. Et les gens qui ont été là le jeudi, on remettait les sous à la Fondation du Collège et au Sommet, puis le vendredi à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne.
J'espère avoir aussi pu compter sur l'implication de plusieurs partenaires au niveau de la Côte-de-Beaupré. Ah mon Dieu, d'ailleurs, je remercie ces partenaires-là. Ils ont été vraiment en grand, grand nombre. J'ai parlé du IGA, mais on peut parler aussi de toutes les instances publiques là, de la Côte-de-Beaupré. Je peux mentionner évidemment la municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges, de Beaupré. C'est certain que tout ce qui est MRC, le CLD Développement Côte-de-Beaupré, vraiment une très, très, très grosse implication cette année, beaucoup plus que lors d'une Coupe du monde. Je pense que tout le monde, toute la communauté a compris l'importance de cet événement-là. Mais en fait, vous savez, ça fait 4 ans hein, qu'on y travaillait à l'événement. Donc, 4 ans qu'on sensibilisait tout le monde. Et puis, en tout cas, j'ai hâte là aussi de voir leur réaction, mais j'ai eu quelques petites brides là, de commentaires. Puis, je pense que tout le monde est bien, bien content du résultat là, des retombées de l'événement. Est-ce qu'on peut s'attendre à un Vélérium l'an prochain? Ah, ça, c'est certain. Alors, mettez ça à votre agenda. Du 21 au 23 août l'année prochaine, le Vélérium sera de retour avec la présentation de la Coupe du monde. Il y a tellement de gens qui étaient ici en fin de semaine qui n'étaient jamais venus assister à une épreuve par le passé. Et je pense qu'ils ont tous eu la piqûre et qu'ils reviendront, là, c'est certain, l'an prochain. Donc, je pense que l'année prochaine, on pourrait accueillir notre plus grosse Coupe du monde qu'on a jamais eue là, dans l'histoire ici au Mont-Sainte-Anne. Et puis, sur une note plus personnelle, est-ce qu'on peut dire que c'est le chant du cygne pour Chantal Lachan? Bien oui, j'ai décidé de tirer ma révérence du monde de l'événementiel, en fait. Ça fait maintenant 29 ans. On est au Château Mont-Sainte-Anne aujourd'hui. Tout ce que j'ai connu comme autre emploi avant mon 24 ans, c'était ici, au Château Mont-Sainte-Anne. J'ai jamais rien fait d'autre. Et puis là, bien, si vous faites le calcul, là, j'ai 54 ans aujourd'hui, puis je me sens encore la fibre entrepreneur, puis j'ai le goût de faire autre chose, j'ai le goût de connaître une autre passion dans le monde du travail. Et puis, bon, j'ai plusieurs idées en tête et je vais prendre quelques semaines là, juste pour mettre mes idées. Je voulais vraiment me consacrer à la réalisation de ce dernier événement, mais également de nos autres événements chez GESTEV, parce qu'on en a encore plusieurs. Et bon, mais maintenant, dans les prochaines semaines, là, je vais essayer de refaire un, comment on dit, le mot n'est pas bon, là, mais un reset, comme on dit ça en français. En tout cas, une mise à jour, c'est ça. Je vais me mettre en mode nouveau boulot, si on veut. Et puis, j'entrevois ça avec beaucoup de positivisme, beaucoup de hâte, j'ai bien hâte, mais en même temps, beaucoup de fierté là, de ce que j'ai accompli. Mais évidemment, vous l'avez dit tantôt, c'est vraiment pas tout seul, donc avec l'équipe de GESTEV, avec les administrateurs de nos corporations là, qui sont impliqués. Je lève mon chapeau d'ailleurs à Yves Blouin, Carole Racine et autres, là, qui sont Sébastien Roy du Château Mont-Sainte-Anne, qui est administrateur également, Maxime Cretin du Mont-Sainte-Anne, qui sont très, très impliqués là, dans la réalisation des championnats du monde et de la Coupe du monde avec la Corporation Événements d'été de Québec. Donc, je remercie ces gens-là aussi. Mais notre équipe chez GESTEV, vraiment, ils sont extraordinaires et puis je n'ai aucun doute. La raison pour laquelle j'ai décidé de quitter, c'est parce que je sais que GESTEV est entre bonnes mains avec la gang qui sont là. Puis je les salue vraiment du fond du cœur. Merci, Mme Lachan. Merci beaucoup.